10 € l'unité, je peux faire un prix sur les lots si vous voulez. D'accord. Dan, c'est toi qui vois. Ah, le switch, je le fais à combien? Le switch, celui-ci? Ouais. Il est à 10 € aussi. Ouais. Oui, c'était à 10 € quoi? Oui. Non, en jeu, oui. Et après, je peux faire un lot si vous voulez. À faire moyen. Si on prenait un lot de combien Bah, quel jeu vous voulez prendre particulièrement? Par exemple, celui-là? Ouais. Celui-là? Ouais. De là, c'est de là, est-ce que... Et celui-ci, si vous prenez celui-ci, il y a ça qui est dedans. Qui est avec. Oui, c'est ça. Et après, dans ces jeux, il y aura des figurines qui vont avec aussi. D'ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ouais, les quatre. Les quatre, alors si je vous prends ces quatre-là, ça me ferait combien? Ceux-là et ceux-là? Oui. Ça ferait 30 euros le lot, en gros. Eden? C'est toi qui vois. 30 euros. Oui, les Barbie. Avec les figurines Oui, c'est avec les figurines comprises. Moi, j'en ai un petit peu dessous. Hein. Ah, et donc, il y a celles qui sont comprises. Là, tu mettras ça dans ton sac? Merci. Il y a des jeux. Hein. Ah oui. Vous les faites à combien les 5 jeux euros. 5 euros. Et la pochette? Celle-ci 2 ah. euros. 2 euros. 2 euros. Oui. Et puis on voit la bille. Ouais. Voilà. Essaye de l'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir. Ouais. Et c'est les cartes ou l'album que vous vendez? Non, non, c'est que les cartes. C'est 1 € la carte. C'est 1 € la carte. La d'accord. Ah oui, bah, c'est pareil. D'accord. On prend ça déjà. Ouais, mais c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il y avait des jeux. Ils sont à combien les jeux là? Ceux-là à 3 € pièce, 2 € tout ça. Il y a les jeux Game Boy aussi. Les jeux Game Boy, ils sont pareils. Bah, il y a quand même quoi, des choses, mais. 2 €. Les boîtes de Mega Drive, elles sont. Oui, bah, c'est valable. Mais c'est de là, oui. Là, 3 €. On va faire des jeux aussi. Super Mario. Ah oui. Il y a des DS. Ah bah oui, attends, c'est ça. Ça non, le FIFA j'aime pas. Ça. Ça? Oui, ça. Mais le FIFA je sais pas, non. Ça c'est quoi? Je connais pas ça. T'as pas regardé les PS4 là? Si, je regarde. Non, ils sont là. C'est Guy Tika à écrire et puis... Oui, faites à combien ceux-là? Et oui, ça. 5 euros. Bon, on prend quoi Eden? Ceux-là? Bah... Non, pas le... Tu m'as dit ça? Oui, si, ça, ça. Et puis ça. Ces deux-là? Et puis ça, non? Bah non, parce que je sais pas ce quoi. Nintendo, Super Nintendo. Bah, je sais c'est quel console, mais je sais pas c'est quoi comme jeu. Non, non, bah dans les PS4, il y en a rien qui te... Bah 5 euros. Non, bah après, je sais pas. Et là, celui-là, là. En dessous, là. Il y a Tomb Raider. Ah oui, c'est un... Ouais, non. Ah. On pense cela là, alors. Oh, regarde la fiche. La fiche. Pas fini, mais j'ai le goût. On va prendre ça. Attends, ouais, essaye de prendre celui-là que je regarde. Non, non, mais là. Moi aussi, je suis là aussi. Les PS4, c'est combien déjà? 5 euros. Bon, c'est combien celui-là? Ouais, c'est ça. Bon, on va prendre tout ça alors. C'est 2 euros, monsieur. On va prendre cela. 2, 4, 6, 8, 6, 8, 8, 8, 5, 13. 13, d'accord. Il n'y a rien d'autre qui t'intéresse, c'est bien, regarde. Hein, allez, les deux, je vous redonne 3 euros, monsieur. Ça a tripoté, mais ça n'a pas acheté. Ils ont tripoté, mais ils n'ont pas acheté. Non. Ils veulent toujours négocier à moitié prix. Ben, j'ai dit, ben non. C'est ouais, ben, justement, moi je cherche des trucs rouge, blanc, noir, blanc, des trucs. Mais comme tu habites à côté? Bah, ça fait 2,50. Ah, non, alors, il ne fonctionne pas, parce que quand je les ai récupérés, il ne fonctionnait pas. Par contre, il roule un petit peu. D'accord. Mais sinon, c'est en plus pour la déco. 2 euros tout ça. 2 euros le tout. 2,50. C'est Yann. Ouais, bon, allez. Yuen il se fait prôner par le chien.
Pour commencer, j'ai acheté cette merveille pour, il me semble, 5 euros, pas plus. Voilà, ça marche avec une grosse pile. Je crois qu'il y a l'année dessus, 1985. Voilà, j'ai acheté ce globe pour 4 euros. Et plein de figurines. Alors attendez, parce que là, c'est le bazar. Ah, j'avais un Mario là aussi. Donc là, j'ai un Mario, j'ai un Betty Boop, j'ai du Titeuf, j'ai E.T., Adibou, Batman, Pokémon. J'ai des Amiibo aussi. Là, j'ai encore des figurines. Toc. Plein de Mario. Voilà. C'était 50 centimes la figurine. Donc pas cher, ça va. Ensuite, j'ai aussi eu un petit cadre comme ça, donc je vais changer le cadre et puis comme ça, ce sera plus joli à voir. Voilà, j'aime bien. Je l'ai eu en lot avec cela. J'ai eu ça. Celui-là, il est neuf. Il est sous le booster. Et celui-là. Voilà, et j'ai aussi d'autres Pikachu. Là. 50 centimes. Ça, je l'ai eu à 2 euros. Et j'ai des jeux Wii. Comme ça. Wii U aussi. Un autre jeu Wii U. Et j'ai même un jeu Switch. La première fois que j'achète un jeu Switch en vide-grenier. Je l'ai eu à 10 euros ce jeu-là. Et les autres, j'ai eu. Moi, j'ai eu un lot, quoi. J'ai pas eu. J'ai pas eu pour très cher. Celui-là, je l'ai payé un petit peu cher, 7 euros le jeu. Ça, j'ai eu ça à 2 euros. Alors, de base, ça c'était 4 euros et ça 6 euros, mais j'ai eu les deux pour 6 euros. Donc, nickel. Voilà. J'ai aussi un petit jeu Advance et j'en ai un autre qui traîne par là. Un mémo. Un petit jeu PS4. Je l'ai pour pas grand-chose, 3 euros, il me semble. J'ai encore des jeux Wii là. Ça, je les ai eu pour 2 euros. Et lui, je crois, le Sonic, 3-4 euros. Voilà. J'ai une autre Betty Boop. Je l'ai eu pour 2 euros, celle-là aussi. C'est une tirelire. Je sais pas s'il y a écrit l'année là aussi. 2000. Et là, c'est pareil de Betty Boop, mais j'ai mis sa tête. Donc, il va falloir que je la retrouve. J'ai aussi des figurines Skylanders, comme ça. J'ai des petits bouquins Astro Boy, 1 euro, je les ai eus. Des jeux de société, 1 euro. Les jeux de société, c'était tous 1 euro. Ça, c'était 1 euro. Les Michael Jackson, c'était 1 euro. On a un autre juste là. 2011 et 2010. Donc voyez un peu. Hop. Donc, pour les fans de Michael Jackson, moi je suis fan moi. J'ai eu une grande carte Pokémon pour 2-3 euros. Après j'ai eu ça en lot avec tout ce paquet de cartes là. On a eu quand même 55 euros le tout. Avec tout ça là, il y a 700 cartes. Il me semble 700 cartes, 710, un truc comme ça, plus ça, on a eu ça à 55 euros le tout. De base, c'était 10 centimes la carte. Ensuite, il y a les 4 Pokémon, c'était 2 ou 3 euros 4, je me rappelle plus exactement. C'était 19 euros le tout, en tout cas. Ouais, non, c'était peut-être un peu plus cher que 2-3 euros l'unité quand même. C'était 19 euros le tout. Il y en avait un autre, mais il a été vendu avant que j'arrive. Mince. Et j'ai eu ça à 50 centimes, un petit bouquin, un petit magazine. J'ai eu un petit jeu de basket à 1 euro. La petite balle, elle est là. Ça, c'était 1 euro, 1 euro, et ça, 4 euros. De la vaisselle Betty Boop, là c'est un pichet, là c'est un petit peu fragile, je vais éviter de trop, voilà. Ça, il y a les petites assiettes qui vont avec, il y a
il y a les torses. Voilà, j'ai eu tout ça pour 10 euros. Et Bitimou qui emballait là la tête. La tête de ça là. Enfin, je la mette après. Ça c'était 1 euro. Merci PMI. Puis il y avait aussi. Ah, il y avait d'autres Bitimou. Des rouges comme ça, 3 rouges comme ça, 3 Betty Boop rouges comme ça, 10 euros le tout. Donc en gros, on a pour 20 euros dans la caisse là, 21 avec le marsupilami. Et ouais, là j'ai acheté énormément là, c'est waouh! Ça n'arrive pas souvent quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Salut tout le monde!